En Côte d'Ivoire, l'agriculture est de plus en plus confrontée à une dégradation prononcée du couvert forestier et des terres du pays. On constate la dégradation de près de 60% des terres productives et le massif forestier est passé de 16 millions d'hectares en 1960 à moins de 3 millions en 2020. Pour trouver une solution à cette situation, le gouvernement est résolument engagé à multiplier les initiatives. Qualitas Côte d'Ivoire vient donc le soutenir dans cette noble mission en axant les discussions d'Africa QHSE Forum 2024 sur la contribution du secteur privé et des organisations de la société civile à la mise en œuvre des stratégies nationales de lutte contre la dégradation des terres. L'objectif, c'était de rassembler des spécialistes, des experts sur ce plateau et de susciter le débat, la réflexion, de manière à aboutir à des pistes de solutions qui vont nous aider à améliorer la lutte contre la désertification et également la restauration des terres. La conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, COP15, a pour principale résolution la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. C'est pourquoi son président salue la tenue de cette importante rencontre. Participer à ce forum-là était important pour nous parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que tout d'abord la lutte contre la dégradation des sols était mal connue, la lutte contre la désertification également était mal comprise, mais depuis quelques années donc nous avons réussi à inverser la tendance et montrer qu'il y a une complémentarité dans la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la désertification, la dégradation des sols et la lutte contre la perte de biodiversité. Des entreprises et organisations ont en outre reçu des distinctions pour leur apport dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation des sols.